Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour. Alors, du vendredi 9 septembre 2022 avec Monsieur Augure Blanc pour voir le message conseil mise en garde que Monsieur Augure Blanc a à nous dévoiler. Tirage avec le jeu 32. Avec l'oracle des miroirs, Monsieur Béline, et une petite carte avec la petite boîte pour arrêter de râler. Alors, vendredi 9, le 9 nous invite à prendre du recul. Avec le 9, on est plutôt à l'heure est au bilan. Ça peut être la fin d'un cycle aussi. Alors, dans le domaine sentimental, la fin d'une relation, bien entendu. On est davantage dans le dénouement, là, que de commencer quelque chose. On peut apprendre un décès autour de soi. À la différence du 6, qui est un décès familial, le 9, c'est vous pouvez entendre votre voisin ou un collègue de travail vous annoncer, par exemple, qu'il a perdu quelqu'un. On peut mettre fin dans le domaine amical, hein. Ça veut dire qu'on fait du ménage autour de soi aussi. Alors, professionnellement, bah, ça peut être la fin d'un contrat. La fin, le 9 nous invite à aussi nous poser des bonnes questions. Dans quel type d'activité je me sentirais le mieux ou dans mon élément. C'est peut-être le moment de se poser la question d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ne prenez pas de décision à la hâte ou brusquement quand on est en 9. Hein. Alors, le 9, il a aussi ses côtés positifs. Hein. On est sociable, créatif, extraverti. Gentil, compatissant, voilà, mais il a ses côtés négatifs aussi, bien entendu. On peut être vaniteux, avoir mauvais caractère, vous savez, être lunatique. Ces gens qui vous disent bonjour et une heure après qui vous font la tête, on ne sait pas pourquoi. On peut être aussi incapable, instable de terminer quelque chose dans cette journée, voilà, c'est comme ça. Alors, le vendredi est associé à Vénus, hein, la beauté, veille de week-end. Le plaisir, hein, la féminité, la décoration, on peut avoir envie aussi hein, de changer de décor. Les couleurs associées à notre vendredi, c'est le rose, le blanc et tout ce qui est les teintes douces. Voilà les amis ce que l'on pouvait dire pour notre vendredi 9 septembre. Alors, on va regarder maintenant quel est le message que Monsieur Augure Blanc a à nous dire pour notre vendredi. Petit message, Monsieur Augure Blanc. Hop. Et nous avons Oribus, poudre sans efficacité. Alors, Oribus, je l'aime bien. Cette carte, c'est une mise en garde, en fait, hein. Aujourd'hui, sur tout ce qui pourrait être poudre aux yeux, vous savez, charlatan et compagnie. Attention aux belles apparences et aux jolis emballages. Intéressez-vous, pardon, plutôt au contenu. Méfiez-vous aujourd'hui des solutions miracles et les produits aux vertus, vous savez, révolutionnaires qu'on pourrait essayer de vous vendre ou de vous faire acheter. Prenez le recul nécessaire pour savoir si vous en avez vraiment besoin et si l'efficacité est réelle. Charlatans, bonnets menteurs de toutes sortes sont à fuir aujourd'hui. Oribus. J'adore cette carte. Oribus. Charlatans, bonnets menteurs. Alors, voyons voir avec notre jeu 32. Pour notre vendredi 9 septembre 2022. 9 septembre. Vendredi, vague de week-end. Déjà. Alors, à la coupe. Oh, résultat magnifique. Triomphe. Réussite dans les finances, les amis, je vous le souhaite. Là, on est sur une belle réussite financière. Magnifique, magnifique, si vous êtes en attente. Elle était peut-être bloquée, ces finances étaient bloquées. Elles sont là. C'est une superbe réussite qui peut aller vite. Rapidité, je vous le souhaite en tout cas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop,
Voilà. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. Et si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Allez, c'est parti. Un jeune homme, ça peut être votre chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques semaines, de quelques mois, de quelques jours, bien entendu. Alors, il y a un contrat, une signature, là. Vous allez avoir des nouvelles, hein, de cet homme. Est-ce que c'est un agent immobilier, également, un notaire avec lequel vous allez signer quelque chose? Vous allez, de toute façon, en avoir des nouvelles. On l'a vu tout à l'heure à la coupe, des bons résultats financiers. On peut sous-entendre que c'est en rapport avec les finances. Vous allez signer quelque chose, vous allez avoir des nouvelles et c'est tout à fait officiel, très officiel d'ailleurs, et c'est que du bonheur, c'est des bonnes nouvelles. Très joli dos de deck qui va avec la coupe, les amis. Ça s'engage très bien. Bien, voyons voir. Alors, un homme, ça peut être votre chéri, mais c'est quelqu'un déjà qui a un caractère, hein, là, hein, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Un homme avec un certain caractère, ça peut représenter votre chéri, bien entendu. Ça peut, moi je dis, être un homme autour de vous, un ami, votre fils. En tout cas, là, il est question d'un homme qui a un certain caractère, qui ne se laisse pas faire. Eh bien, il vaut mieux parce qu'il est entouré d'une dame de carreau. Bon, autour de cet homme, il y a une femme de carreau. Bien. Elle démarre bien, hein. Ah, bon. Est-ce qu'autour de cet homme, on aurait affaire à une ex qui traîne? Voyons voir si ça vous parle. Elle peut avoir les cheveux clairs. Sinon, on peut voir aussi que ça peut être vous, madame, si vous avez vous-même les cheveux clairs. Vous êtes entourée ou vous avez une femme jalouse, une femme de carreau autour de vous. Il peut être aussi question d'un couple, hein, un couple. Vous avez une femme de carreau autour de vous. Sinon, cet homme est entouré d'une femme de carreau et vous allez en avoir des nouvelles. Votre fille, votre meilleure amie, votre sœur peut également avoir de mauvaises fréquentations ou avoir des gens qui ne l'aiment pas autour d'elle. Ou être obligée d'avoir affaire à une femme perfide. Attention, la donne peut changer. Il peut être question d'une banquière, d'une femme d'autorité. Elle est collée, quand elle est collée au 10 de trèfle ou au 9 de trèfle, 9 de trèfle, ça peut être une responsable de service, la personne qui est froide, qui, vous savez, qui demande réussite. Et 10 de trèfle, ça peut être une banquière, hein, tout simplement. Bon, en tout cas, là, quoi qu'il en soit, votre fille, votre meilleure amie ou votre sœur, il est question de finances, ou même vous, si vous avez les cheveux clairs, comme je le disais tout à l'heure. Il est question d'argent, que l'on voit ici. Un petit déplacement à ce propos concernant les finances. Et ça touche le domaine familial, la maison. Ça, pour votre fille, peut-être qu'il y a des rentrées d'argent, un prêt qui est tombé. C'est peut-être même pour vous, hein. Enfin, eh ben, il y a un déplacement qui va être fait concernant les finances, pour l'immobilier, pour le foyer en tout cas. Et ça peut même aller très vite. On l'a vu tout à l'heure en dos. Hein. Vraiment quelque chose de bon qui se présentait financièrement. Donc là, on voit que c'est dans le foyer, c'est dans la maison, c'est dans la famille. Et oui, ça peut concerner effectivement un changement, un déménagement. Vous allez avoir des nouvelles ou bien le prêt est tombé, l'accord, on l'a vu la signature, l'accord est tombé, le prêt est tombé, voilà, qui explique qu'on a ces bonnes nouvelles. Alors, ça peut être pour vous, ma consultante, bien entendu, ou une femme proche de vous. Mais là, je pense que c'est vous qui êtes concernée au niveau du foyer. Alors, vous pouvez avoir affaire à une dame aussi, à une femme aux cheveux clairs, hein, qui touche et ça peut être cette dame de carreau d'ailleurs, hein, qui touche les finances, hein. C'est pas forcément une mauvaise femme, hein, mais c'est une femme d'autorité en tout cas. Bah écoutez, on voit du changement, du déménagement, de l'argent qui arrive au sein du foyer. Pour vous, ma consultante, et c'est un, regardez ça, superbe réussite. As de trèfle, c'est le triomphe, c'est la réussite, hein, la plus totale. Et on voit bien que c'est pour un nouveau départ. Il peut être question de grossesse pour vous, madame, si vous êtes en âge d'avoir un enfant et que vous le souhaitez, bien entendu. Sinon, réussite dans le domaine familial, dans le foyer, dans le déménagement, des papiers administratifs qui sont là, ou une jeune fille brune.
et un événement du lointain. Peut-être avez-vous l'intention de déménager d'ailleurs au lointain. Et ben c'est là, c'est un triomphe, c'est une réussite. Un nouveau départ dans une autre ville, un autre département. On l'a vu, la signature au dos tout à l'heure. C'est beau, il y a de l'argent, il y a une réussite pour vous. Il y a le couple hein, également. Très joli tirage pour notre vendredi. Alors, nous avons 1, 2, 3, 10. 3, 10, changement. Et c'est pas beau? Changement à l'horizon. Bah oui, à l'horizon, il est là, hein, l'horizon. Il est au lointain. 3, 10, 4, 10. Je vais dire 3, 10. Hein, j'aime pas dire ça. Là, j'ai que 3, 10. C'est le changement, les amis, qui se présente. Alors, nous avons 3 dames. 3 dames. Cancanage, rivalité, attention, attention tout de même à une dame de carreau qui est présente, hein, ne pas l'oublier. Rivalité, cancan, méfiance, méfiance au niveau féminin. Vaf, j'en ai que 2, 7, j'en ai que 2, 8, j'en ai que 2. Mais écoutez, c'est déjà pas mal et c'est joli comme tout. Alors, l'argent est là, ça peut être pour votre chéri ou avec votre chéri ou homme, homme, femme, femme ou vous inversez. On a l'argent qui est là, qui est présent pour un nouveau départ et ça peut même aller très vite. Très, très vite. Un triomphe, une réussite pour un déménagement, pour un grand changement en tout cas. Un déplacement, vous allez devoir faire un petit déplacement qui concerne ce grand changement d'une autre ville, un autre département, une situation du lointain. Un changement, je pense que vous voulez faire. Hein. Attention, voilà, on la retrouve, notre dame de carreau. Ça peut être une dame aux cheveux clairs. Ça peut être pour votre fille, votre meilleure amie, votre sœur. Il y a une dame de carreau méchante autour d'elle. Ça peut être aussi pour vous directement. Il y a une femme vénale autour de vous. Attention, dans le foyer, je pense, dans la famille. De la jalousie, tout simplement, familiale. Hein. On voit très bien que là, il est question de papier ou d'une jeune fille brune, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a les enfants aussi, là. Hein. Et c'est vous, ma consultante, qui êtes concernée ou une femme proche de vous. En tout cas, on voit très bien que c'est dans votre foyer. Il y a des papiers administratifs. Et autour de ces papiers administratifs, ça peut être une personne, une responsable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On voit là, il peut y être question avec vos enfants. Il peut être question de vous. Il peut être question aussi de papier qui arrive par l'intermédiaire d'une personne haut placée, voilà. En tout cas, ça touche votre foyer. Il y a bien du changement qui se présente à vous, les amis, pour ce vendredi. C'est un super tirage et on voyait l'argent qui était là aussi. Magnifique tirage. Alors, on va voir un peu avec l'oracle des miroirs. Regardez vos rêves. Vos rêves se réalisent. Alors, l'oracle des miroirs pour notre vendredi 9 septembre 2022. 9 septembre 2022. 9 septembre 2022. Vous, à consultante, vous voyez clair, vous avez des rêves là, hein? Vous vous projetez, votre petite voix intérieure vous dit quoi? Ah, ben vous avez une petite voix intérieure qui vous met en sentiment d'échec, vous avez peur peut-être. C'est pas bien méchant. On voit que ce changement, il est confirmé hein, avec le jeu de 32. Et ben, déménagement au lointain, ça fait peur, forcément, c'est tout à fait normal. C'est vos rêves qui vont se mettre en place avec une petite angoisse pour vous, ma consultante. C'est tout à fait logique et regardez ça, c'est que du bonheur. Les cartes, elles parlent toutes seules. C'est ça qui est incroyable. Il faut leur faire confiance. Moi, je fais confiance à mes cartes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, voyons voir. En dos, on se projette. On se projette parce qu'on a des rêves, on les a vus tout à l'heure. On se projette, on se projette. Waouh, on se projette en amour. Hein. Alors par contre, évidemment, on est montré du doigt. Bon, ma foi, bah, c'est normal. Regardez, je ne vais pas plus loin. Miroir magique, très grande protection. Vous vous projetez, il y a de l'amour. Si c'est dans le domaine sentimental, vous vous projetez. Hein, c'est normal avec votre conjoint, conjointe. Et on vous montre du doigt, mais de toute façon, vous êtes protégé.
si c'est dans vos projets, vous vous projetez, c'est émotionnellement, il y a beaucoup d'émotions, évidemment, beaucoup de sentimental, c'est logique. On vous montre du doigt, jaloux de vos projets, certainement, mais vous êtes protégé. Alors, vous signez quelque chose, mais on l'a vu, hein, vous décidez quelque chose, voilà, c'est signé, c'est acté. Quelque chose pour lequel vous êtes aimanté, c'est-à-dire qui vous tient vraiment à cœur, pour lequel vous tenez énormément. Les amis sont là. Alors, voyons voir ces amis. Eh bien, écoutez, il y a une certaine tranquillité. Donc, vous avez sûrement le soutien de vos amis. Vous en avez une certaine tranquillité. Hein. C'est un grand coup de chance, d'ailleurs. Vous allez pouvoir prendre de la distance. Vous allez pouvoir partir, déménager. On voyait que c'était dans vos projets, d'ailleurs, dans vos rêves. Hein. Et c'est que du bonheur. Hein. Regardez-moi ça. Alors, évidemment, on vous montre du doigt. Bien. C'est logique, mais de toute façon vous êtes protégé et la situation est perçue comme un cadeau. Vous signez, vous décidez quelque chose et c'est officialisé, hein. C'est vous ma consultante ou une femme proche de vous et on est bien sur un nouveau projet, on est bien sur un nouveau départ. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, on l'avait vu hein, tout à l'heure en dos, on se projetait avec de l'amour, voilà. Il y a de l'amour, on vous montre du doigt. Bon, ma foi, hein. Alors, vous décidez quelque chose. Il y a une grande attirance avec cette personne, forcément. Hein. Ça peut être un ami, et là, ça s'est transformé, évidemment. Et maintenant, pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité qui est perçue comme un énorme coup de chance, eh bien, on va prendre de la distance, hein. C'était aussi bien d'ailleurs. Et c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de bonheur. Mais du coup, on vous montre du doigt, évidemment. Hein, on vous accuse de choses. Mais vous êtes de toute façon protégé. Non seulement vous êtes protégé, mais la situation, cette rencontre est perçue comme un cadeau. Et vous signez, vous décidez quelque chose. C'est bien vous, ma consultante ou mon consultant, vous a inversé. Et on est bien sur le nouveau départ. Il peut même y avoir pour certains une grossesse. En dehors du côté sentimental, quelque chose est décidé professionnellement, dans vos activités, dans vos démarches. Il y a quelque chose de signé, d'acté, de décidé, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, hein, pour lequel vous étiez fortement attaché. Les amis vous ont peut-être aidé, les amis étaient là, ont peut-être un coup de pouce avec les amis d'ailleurs. Hein. Maintenant, vous allez avoir une certaine paix, une certaine tranquillité par rapport à cette décision que vous avez prise. Parce qu'elle a été perçue comme un coup de chance, cette décision. Peut-être la décision de déménager, de prendre de la distance par rapport à une certaine situation ou à quelque chose. Et on voit que ça vous met en joie, ça vous met du bonheur. Mais forcément, on vous le reproche. Bon, c'est pas bien méchant parce que vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez de cette situation qui est perçue comme un cadeau, de cet avantage, de ce retournement de situation, de cette joie, de ce bonheur. Hein, qui fait que vous signez, vous le décidez, non seulement vous le décidez, mais vous signez, quelque chose, c'est bien vous, ma consultante, hein, qui est concernée, ou homme, on inverse, hein, bien entendu, et on est sur le nouveau départ. Tirage magnifique, les amis. Pour notre vendredi, feuille de week-end, je vous le souhaite, avec de bonnes nouvelles qu'on avait vues, financières également, je vous le souhaite. Alors, Monsieur Véline, pour notre vendredi 9 septembre 2022, Monsieur Véline, 9 septembre 2022. Monsieur Béline, 9 septembre 2022. Oh, superbe. Superbe, les amis. Grande protection pour votre départ, pour votre déménagement, pour votre changement, pour ce que vous voulez. Super protection. Magnifique. Rien à dire, rien à rajouter. Alors, procès, décision. On voit qu'il y a quelque chose qui a été acté. Mais ben, écoutez, on le retrouve là. Autour de ça, il y a de la méchanceté. On l'avait déjà vu. Quelque chose pour lequel vous étiez fortement attaché, d'ailleurs, ou qui vous bloque. Pour certaines personnes, vous pouvez avoir eu un procès avec des gens méchants, hein, et peut-être des gens pour lesquels d'ailleurs vous étiez proche. Hein. Alors,
On voit du changement, bien, qui est décidé. Il y a de la jalousie autour de ça, il y a de la méchanceté, mais vous avez la clé, vous avez la solution. Et vous allez vous détacher de tout ça avec des bonnes nouvelles. Eh, c'est pas joli ça? Effectivement, il y a peut-être eu un procès, il y a peut-être eu des discussions vives, il y a peut-être eu quelque chose d'officiel qui est acté. Hop, le changement, il est là. Ça occasionne de la jalousie, mais de toute façon, vous avez la clé du destin, la clé de la réussite. Vous allez vous libérer avec des super bonnes nouvelles. Voilà, les amis. Nous allons prendre une petite carte avec notre petite boîte pour arrêter de râler. Je fais preuve de discernement. Ce n'est pas parce que je vois le positif que je dois tout accepter. Faire la démarche de ne plus râler ne signifie pas que nous devrions nous laisser faire et que tout doit aller bien dans le meilleur des mondes. Cela signifie seulement que, pour garder mon pouvoir, je dois m'exprimer et poser clairement mes limites sans déverser ma colère. Très, très joli message. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adore vous lire. Merci en tout cas pour votre présence, votre fidélité, votre soutien. Merci pour vos pouces, j'aime. Merci de faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à regarder la guidance du week-end, guidance générale. Ensuite, la guidance sentimentale. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous dis à bientôt.